En Louisiane, les stations de service sont souvent la bonne place pour trouver du bon manger. Même si c'est à Star fermé, Sid's One Stop Shop était un bon exemple de ça dans le nord de Lafayette. Ce soir, on va parler avec le propriétaire Sid Williams de qu'est-ce que ce magasin représentait pour sa communauté et quoi c'est son futur sur la veillée. Nos histoires. Notre langage. Notre peuple. Bonsoir, vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake LeBlanc. Les stations de service peuvent sembler improbables comme des bonnes places pour trouver du bon manger et écouter de la musique locale. Mais en Louisiane, c'est souvent le cas exact. Dans le quartier nord de Lafayette, mon coin, Sid's One Stop Shop a toujours été un centre dans sa communauté. Son fondateur, le musicien Zydeco Sid Williams, vient de fermer ce magasin, mais son impact continue. On a eu la chance de parler avec lui de ce que le shop a représenté pour son monde et ce qui vient pour lui dans le futur. Clifford Goody a grandi dans une ville rurale à Maurice, dans la campagne alentour de Lafayette. Paris, un copain. Gâteau de cochon. Fais gâteau de cochon, des gâteaux. Oh, ouais. Les poules, tout ça, les dents. Des grosses familles, ils ont mangé. Comme Clifford, Geneva Phillips a habité dans la campagne avant de grouiller au nord de Lafayette, un quartier majoritairement noir urbain qui a attiré un nombre de ses résidents créoles des petits villages ruraux alentour de Lafayette. Quand j'étais enfant, j'habitais à l'île des Cypres, c'est pas loin d'ici, dans la campagne. C'est où ma mère habitait avec ses parents. Et après, elle s'est mariée avec mon père. Ils habitaient là encore. Et puis, à l'âge de 13 ans, on a déménagé ici à Lafayette. Ici au nord, les gens sont venus pour les emplois dans la ville et ont resté pour la communauté. C'est all right, mais quand tu es à la tête, moi tu es jeune, tu es tout jeune, tu es vieux, mon papa. Ouais. Quand je suis venu plus grand, comme j'ai 6 ans, 7 ans, 7 ans, j'ai arrêté de travailler, j'ai travaillé avec lui, pour aider lui, pour payer les billes. On avait des voisins qui étaient, on s'est amélioré avec eux, ils étaient comme la famille. Proche comme c'était à la campagne. Tout le monde gardait les enfants. Si on faisait quelque chose interdit ou du mal, ils disaient quelque chose. Ce sens de communauté peut être le plus évident aux stations de service et magasins comme Sid's One Stop Shop. A eu les résidents comme Geneva et Clifford sont venus pour échanger du manger et des fournitures. Je suis venue oui, à Sid's, des années passées avec Creole Inc. On était toujours les encourageurs de places comme Sid's. Ah bon, un vaillant, bien vaillant, c'est le vaillant mou. Ouais, j'aime ton arrière. De toutes idées, les mêmes idées, les autres. Manger, oh ouais, t'as mangé, manger ça te l'est. L'envie de vendre, je l'aime manger, je l'aime cuire. Moi, je l'aime cuire, moi. Je l'aime cuire comme bon. Ouais, je suis tout le temps ici. Food, quand je fais les food drive, tout le temps, je suis tout le temps là. Je lui bien, moi, je viens. Ouais. Je suis tout le temps avec lui, tout le temps, tout le temps. C'est ça, c'est mon meilleur cousin. Ouais, je suis tout le temps avec lui. C'est comme mon frère, c'est comme mon frère. Ouais. Je suis tout le temps, tout l'idée comme ça, avec lui, ouais. Vous êtes là, vous êtes resté, ton frère, ton autre frère, tout y est, ouais. Vous êtes tout le temps ensemble. Et bonne, tous les gros bouts qui ont travaillé. Oh, ouais. Comme souvent en Louisiane, quand du monde se met ensemble pour du manger, la musique est sûre à suivre. Je rappelle qu'il avait des groupes de Zydeco qui jouaient là. Et puis, je crois qu'il a un magasin aussi, alors
Alors, il avait ce bâtiment-là et l'autre bâtiment. Et puis, il faisait beaucoup de choses dans la communauté, pour aider la communauté. Malheureusement, ces piliers de la communauté ont commencé à fermer, posant des tracas économiques. SIDS, par exemple, a fermé cette année à cause d'une perte des clients après 47 ans d'opération. On a beaucoup qui ont fermé, comme Northgate Mall. Il y a beaucoup de magasins qui ont fermé et ils ont... S'ils continuaient, c'était toujours au Southside, au sud. Alors, on n'a pas beaucoup ici. Comme Walmart, il y avait un Walmart juste à côté d'ici, mais ça fermait et on a ça plutôt à 40 crocs. Et moi, je n'aimais pas ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de transport pour aller là. Quand les magasins ferment, la communauté se perd un Tibrin aussi. C'est vraiment important parce que on faisait, c'était de, longtemps passé, c'était le temps pour avoir, pour s'amuser, pour visiter. J'aimerais bien si ça retourne, même si même les magasins. Mais je crois qu'on dit que peut-être les magasins ne font pas assez d'argent sur le nord, mais alors tout ça. Où il y a de l'argent. Bonjour et bienvenue, on est back ici dans le nord de Lafayette pour parler avec M. Sid Williams qui est le propriétaire d'ici, de cette place qui est le El Cidos Blues et Zydeco Club. Bonjour. Bonjour, comment ça fait, c'est bon? Ça va très bon. Et comment ça va toi? Ma toujours vivre, c'est tout c'est bon. Ça c'est ce qui est important. Et toi, tu sors de... Saint-Martin. Je sors dans la campagne, dans le sugarcane patch back then. C'est bon. Et as-tu appris le français ou le créole? Avec ma grand-maman. Tu ne peux pas parler l'anglais. Dis France. Créole. Et puis, quand tu es venu ici, à Lafayette? 66. Et pourquoi? On m'a tapé travailler à Howard Johnson, on m'a tapé laver la vaisselle. On m'a tapé laver. Et puis, on m'a dit, hitchhike. On m'a dit, comment c'est work ici, ici, ici. Et puis, on m'a tapé travailler avec un fond blanc, sur papa. Ça, c'est un bon bout pour travailler avec toi, offshore. Sur les mêmes pour Penrod Drilling Company. C'est ça. Et puis, et quand tu as commencé avec la musique, avec l'accordéon, toi? Moi? C'était mon frère, Nathan, avec Bugwit. Et puis, on tapait Run the Store, on tapait Run the Club, on tapait Manage Nathan, the band. Je n'avais pas gagné de temps pour pratiquer. Et mon lème, ça, mon lème Clifton Chenien. Quand les coupes ensemble, là, tu il dit, hé, Tiffy, hé, Titi, jolie, hé, Tiffy. Là, il vient les gros, il vient les gros racles. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ma bonne. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pas, affronté avec lui. Un bon bougre. Et quand tu as commencé avec le shop? Comme ouvert, c'est 1970. Moi, j'ai acheté ça en 67. La terre. Moi, c'est la terre. Et puis là, nous commençons. Pas gagné much l'argent. Tipi. Pour travailler dans l'huile des clous. Et puis, pour estropier mon dos. Là, il donne moi à peu près 500 000 piastres. Et là, je vais commencer avec ça. Je dis, maman, t'es cuit. Il n'est pas comme moi. Maman, t'es cuit. Red bean and rice. Smothered cabbage, des choux.
Mais quand mon femme vient malade avec cancer, et puis son sœur travaille pour moi pour 40 ans. Mais quand son sœur vient malade, et puis lui vient malade, on dit arrêter tout seul. C'est juste comme mon père et dans mon famille. C'est le one stop qui fait ça. Bon Dieu, et puis le one stop. Ça, c'est tout qui change. C'est one stop, Baptiste. On ne peut pas gagner rien pour faire. On a plus de l'argent. Donc, on gagne des haricots. C'est tout mon gain. Et qui c'est ce monde-là? Ouais. Ces bougs-là? Dans... C'est bon, c'est quand toi. Moi, je ne pas connaître les bougs. Tu connais Chris Hardaway? C'est son papa. Ici. Bon, c'est. Et Amédi. Amédi. Ça, c'est bon, c'est quand moi, over there. Puis, ça, c'est Amédi Hardaway. C'était les frères. C'était tes frères. Bon monde. De bon monde. On a rencontré le père de Chris Hardaway avant qu'il ait mort. OK, tu vas bientôt jouer de la musique pour nous autres, mais avant, je voulais te demander, toi, tu as rencontré Anthony Bourdain. Oui. C'était comment ça? C'était bon. Ouais, bon, bon. Il est mort, Anthony Bourdain. Je sais, ouais. Et bon, bon. Nous tous qui sommes morts. Ça, c'est la merde. The buzzes fly high, but you gotta come down to drink. C'est ça. La fermeture de magasins et dance halls locaux est malheureusement commune ces jours-ci en Louisiane. Vous autres, on va toujours se rappeler de l'impact de ces One Stop Shop et on est content que l'on peut toujours aller à son club El Cerro's pour danser au rythme des haricots et blues. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soignez vous autres et à la prochaine. Les parties, les bâches et pauvres et tantes, qui restent là-bas dans la campagne. Les parties là-bas, les parties là-bas. Et mon pauvre, ton nana, et toi?